Voilà, ça marche et on est en full propreté. Bonsoir à tous et bienvenue. Tac, tac, allô Jay? Oh là. Cet homme qui est là, oh là, qui essaie de pas faire tomber le martini. Putain. On entend les glaçons, mec. Je vois, j'ai été surpris en flagrant délit de plaisir. C'est ça, attends, attends, dis pas ça comme ça, on est sur Twitch. Flagrant délit d'imbibation. Ah merde, on est sur Twitch, mais Eh attends, oui. je me. Tu veux Hello à Toto tous, j'espère que vous allez regarder? bien. Parce que tu Le mets la G max, est de hein. retour, comme je Ah, viens de ça, pour voir. nous jouer des mauvais tournantes, c'est ça qui est bon. Alors, une tournante. Ryzen Non, 9 et non, pareil, on est 2080. sur Twitch, Bob. Évitons le Ah mot ouais, merde, tournante merde, et tout ce qui merde. pourrait. T'as raison, t'as Ouais. raison, t'as raison, t'as raison. Dans tous les cas, merci infiniment à Pierre-Hollène qui m'a aspergé en facial. Là, je fais l'innuendo volontairement. D'abonnement, merci beaucoup. Oui, c'est la tournante des abonnés, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il m'a jeté de l'argent au visage. Donc là, t'es obligé de rendre ça Ah, ouais, sexuel, d'accord. sinon ça devient Ah, gênant. ok, très bien. Forcément. Ouais. Enfin, À partir d'un certain montant, c'est forcément sexuel, de toute c'est façon. ça. Surtout pour les mariages. Oh, quel enfer. Quel Là enfer, quel enfer. Du coup, ce soir, là. braves gens, du Nécropolis. Alors, pourquoi j'ai accepté de le faire avec Jal ce soir? C'est parce que la dernière run qu'on a fait entre nous pour jouer une soirée de pépère, on est allé loin. Je me demande si on n'était pas à la fin, hein. Tu vois, j'en doute, hein. Enfin, On était, pour moi, on était, tu vois, au concierge du boss final. Ouais, à mon Moi, avis, il devait y avoir un boss final, mais on était peut-être juste devant, hein. C'est pour ça. On est Oui. mort comme des cacas, donc là, On l'a pas vu. on va mettre la On a max. malheureusement pas pu avoir C'est ça. l'autographe du boss C'est final. ça. Mais tu sais, au début, on était parti pour. Si j'avais su, j'aurais fait du contenu, si tu veux, mais on était parti pour faire une soirée pépère, et on l'a fait la soirée pépère, on s'est mis 4 heures, si tu veux bien. En plein milieu de la nuit, on se dit, mais on peut pas s'arrêter là! Comme quand tu vas Cette trop loin. fameuse soirée pépère où tu te dis oui, ça va être posé, à 23h c'est terminé parce que demain je bosse, mais en fait tu finis à 1h30 du mat avec À les yeux 2h30 du explosés en mat, à mode. 2h30 du mat devant Ouais. le boss de Forbant, on le tient! On le tient! Ouais, c'est un peu Le ça. mec il se dit non, mais demain je travaille, allons-y doucement. Puis un peu plus tard, les mecs ils sont à Las Vegas, allez! Olive! Olive! Olin! Le mec il écrit à papier la maison! C'est clair. La violence. Merde, du coup je t'ai invité mais ça a bugué. Parce que je peux plus C'est lancer la étrange. partie. Tu sais, ça le fait de C'est temps en parti. temps ça. Attends, Je suis retour. en attente des données multijoueurs, moi, de mon côté. D'accord, paramètres. Très bien. Attends, quitter le groupe, je recommence, pouf pouf. Mais excuse. Ah, je te vois. Ok, et ça Donc n'a tu rien. peux Ouais, mettre continue. mais ça n'a rien changé moi à mon schmilblick. Écoute, Et ben on je relance recommence le jeu. le game. Oui, non, mais je relance le jeu, je relance le jeu. Oui, non, mais on va recommencer le game, on était au premier étage, calmons-nous, quoi. Ouais. Calmons-nous, Alors calmons-nous. je défonce ma sauvegarde au moins. Non, défonce pas ta sauvegarde. Non, mais on recommence le jeu, je veux dire, on a fait deux étages, au moins ils voient dès le début comment ça se passe. Bien sûr, bien sûr. Et Attends. puis de toute façon, je viens de le faire, donc Absolument. voilà quoi. Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Ça, c'est du bon contenu. On est bien. Donc pas besoin, s'il y a Enregistrement. besoin d'une intro, je la ferai tout seul parce qu'on s'en bat les Ouais. couilles. C'est Ouais, détente. très bien. Ou je la ferai même Très pas. bien. C'est quoi, je fais même pas. Fils de coche, fils de Bastion, fils de Darat. Putain, j'ai l'impression que le jeu il t'insulte au début quand tu dois choisir ton skin. Espèce de fils de J'avoue, Sulubert. j'avoue. Fils de Attends, crasse. du coup je peux t'inviter tout de suite, Ouais. bouge pas. Invitation. Ok, très bien. Invitation envoyée à JJ. Voilà, Alors, très bien. réception de l'invitation. Acceptation de la fibre SFR. C'est bon, j'ai J'ai tellement accepté. manqué. Pidu, pidu, Excellent. Oh, par contre, j'avais jamais remarqué, mais à quel point elles ont le dandinage du cul quand même, Ah les ouais, gardiennes. c'est Oh, elles ont le là, tu... booty, quoi. Franchement, je dis rien, mais là tu me chauffes. Ah non, Fais gaffe, c'est vraiment. Beyoncé. Attends, moi je te chauffe avec ça Non si mais. tu veux. Hein. Moi je te Ah chauffe ouais. avec Ah Brunhilde. non, mais enlève ça, on est sur Twitch, mec. Ah non, j'ai acheté la couleur rouge, tu peux pas me faire ça. Je prends Quoique, fils de paladin en ce rouge, noir tu et orange est de toute beauté, je trouve. Alors attends, j'essaie de trouver les qualités. Ah, ça doit être ça. Fils de le bastion de De Polybius. Polybius, voilà, Polybius. Alors, fils de le bastion de Polybius, hein. C'est vrai Ouais, qu'on on dirait. sent la traduction bien forte. J'avoue, j'avoue. Allez, c'est valide pour moi. Allez, bah moi je prends le rouge, fils de Amendazo. Amendazo. Stylé. Quoi qu'il est vraiment stylé, rouge et enfin, noir et orange. Je regarde, je regarde.
Oh, j'ai le violet, j'aime bien le violet. Ça, je trouve que c'est plus. Ouais. Le rouge est joli, tu vois, je l'avais acheté. Enfin, j'ai acheté avec la monnaie du jeu. Mais je trouve que le violet comme ça colle mieux à l'ambiance. Donc, violet, noir, orange, je pense qu'on est bien. Ouais. Il y a un code couleur. En mode Pleasure Mancer, quoi. Ouais, bien sûr. Très bien. Alors, les précis, c'est une mauvaise traduction, c'est les codex. Hein. Donc, il parle des livres en fait. Faut le savoir. Impeccable. Ok. C'est très bien. Alors, je veux demander au chat, avant toute chose, s'il y a des gens qui connaissent le jeu. Et si vous pouvez me dire comment on fait pour trouver les passages secrets. Parce qu'au premier étage, j'ai appris qu'il y avait un passage secret qui était obligatoire. Il y a obligatoirement un mur secret, un peu à la Dark Souls. Mais la question, c'est comment on trouve un mur secret. Faut taper dessus? Est-ce qu'il faut taper sur le texte? Est-ce qu'il faut taper sur tous les putains de murs du niveau? Non, apparemment, ça a quelque chose à voir avec les textes. Donc ça se trouve, faut taper sur les textes. Mais d'accord. Voilà. Très bien. Ah bah attends, j'avais pas cette info, moi. Parce que nous, comme des débilus, on les lit les textes, si tu veux. Mais... Voilà, voilà. Le problème, c'est qu'en lisant les textes, ben, on gagne pas forcément du savoir, ni du temps, d'ailleurs. Ouais, exactement. Allons-y. Soyons fous. Alors, il y a une attaque légère, une attaque lourde. Oui, bien sûr. Attends, petite attaque, grosse attaque. On peut bloquer, faire des roulades et on peut faire des attaques chargées qui coûtent de l'endurance. Problème de l'endurance, c'est qu'elle diminue. Enfin, l'endurance max diminue parce que ton perso s'épuise et il faut de la bouffe pour la remonter. On a trouvé quelque chose pour. Attends, laisse-les se battre. Laisse-les se battre. Non, mais attends, ils se battent pas là. Attends, je vais mettre une gifle. C'est bon. Putain, les attaques. Voilà, très bien. Dur. De toute façon, on n'a pas besoin de leur expliquer s'ils ont déjà regardé la vidéo. Ouais, attention. Nécropolis 1. Oh là là, le gif. Oui, ça passe. Ah, ça y est, j'ai une épée courte. Attention. Ouais, vas-y. Charge mon charme. La gif. C'est bon, ils sont morts. Comme on dit dans le milieu, j'ai fait une tournante d'énergie. Un tourbilol. Un petit tourbilol. J'ai récupéré un petit coup cri. Une tournante d'énergie. Putain, politique. Tournante d'énergie, moi je vois. Je sais pas si tu te souviens dans Naruto, c'est le mec avec son chien. Kiba, je crois, il s'appelait. Tu parles de la version normale. Oui, normal. Ouais, normal. Mais oui, non, mais justement, j'allais y venir. C'est-à-dire que le mec il fasse une Kiba avec son chien, c'est-à-dire il tourbilole pour marquer son territoire, mais en mode Manu Ferrara, si tu veux. Ah oui, d'accord. En mode la max. Alors attends. Alors. Cette zone est étrange. Oui, avec le grand mâchoire là. Y a pas des choses. Y a du monde hein. Y a du monde. Enfin, y a un pont. Oui, mais le monde. C'est peuplé. Qu'ils y viennent. C'est des clodos. Bon alors, on vous explique, c'est chez nous maintenant. Regarde, en plus ils peuvent pas bouger. Regarde là, bra. Bah mais préviens. Alors, mais préviens. On est toujours dans la. Oh, une pomme d'or, mon gars. Ah. Net. Alors là j'ai du monde. Je saute. Début de la game j'ai trouvé une pomme d'or hein. Ça déconne zéro hein. Voilà. Alors là les deux débiles me regardent. Aïe. Voilà, la gifle. Il en reste un. Ouais voilà. Qui est là-haut là. C'est bon je l'ai. Ah merde c'est toi. Non c'est bon j'ai bloqué. C'est bien. Tu m'as fait un petit frayeur je l'avoue. Voilà, c'est bien. Ouais, le petit backstab dans le dos, hein, ma spécialité. C'est bien passé. Impeccable, fouillons le reste de cet étage. Hein. C'est un jeu calme, brave Joe. Vu ton skin, on dirait que la muscu a l'air de fonctionner. Les protes, mon gars. Tu crois que je suis arrivé là en mangeant des pommes? Eh ben, tu aurais raison, parce que les pommes dans ce jeu sont fumées du cul. Il me fait poursuivre par une araignée nulle et un clodo. Ça, c'est son Pepsi à la créatine. Le Pepsi à la créatine. Ouais, on est trop violent. Ah mais t'es sur un truc hein. Attends, y'a un homme poisson là. Ouais j'ai vu. Attention, je mets la max. Ouais, j'ai Kebo. Bien joué, je vais la mettre la max aussi. C'est bon, max aussi, voilà, très bien. Merde, j'ai changé de. Par contre il est super résistant et il a un slip panthère mon gars. Ouch, putain il m'a tout pété. J'arrive. Je m'occupais du menu crétin. Attention, il met des sacrés gifles. C'est fini les conneries. Recule, attention, je mets la max. Ouais, j'ai roulé. Il reste plus grand voilà, chose. Voilà, toute ma barre de mana d'endurance, elle a disparu là-dessus. Hein. Tu l'as eu? Ouais. Putain, bien joué. C'est bon. Très bien joué.
Nous sommes sains et saufs. Je vais récupérer cette épée, voilà. C'est au moins. Là, j'ai l'épée de départ, attends, il faut que je fasse quelque... On a tous les deux des épées de départ, hein. C'est un peu une catastrophe. Hein. Moi, je privilégie personnellement les épées courtes pour avoir des attaques courtes qui ressemblent à des attaques courtes. C'est-à-dire qui s'effectuent en moins d'une seconde. Alors que moi, j'aime bien les trucs un peu lourds qui mettent des grosses gifles et qui ont une belle portée, comme les lances. Les lances, pour moi, c'est du bonheur parce que ça renverse les ennemis. Et ouais, renverser les ennemis... Quel enfoiré. Mais c'est vrai que du coup en tandem on fonctionne plutôt bien parce que si je peux les mettre au sol et que derrière tu les molestes, on est bien. Alors, attention, il y a un triangle sabonateur. Ouais. Il est à moi, mon précieux. Qu'est-ce qu'il a dedans? Une épée normale. Une épée que j'ai déjà en plus. Là il y a un autre triangle, il est un peu chargé, pas trop. Un peu de pognon. Poisson. Ça ah, rien. Je vois un... Qu'est-ce que tu vois? J'essaye, mais il y a marqué les choses auraient pu mieux se passer et il n'y a pas de raccourci. Tant pis, pas de raccourci. On ne sait pas. Si quelqu'un peut faire la recherche sur Nécropolis et nous dire comment accéder à des passages secrets... Putain, il y a des pièges au plafond. Si quelqu'un connaît le russe... Il y a des pièges au sol et je viens de tout prendre là, si tu veux. Si quelqu'un connaît le russe, ouais, j'avoue. Il est russe, ce jeu, je crois? Je sais pas. Alors, peut-être là. Ayez le pas léger et portez une arme tranchée et démoniaque, faite d'acier de lame et protégée par un sort de saignement. Ok. Alors soit c'est la porte d'entrée, soit on est dans le merde. Ouais. Ah, là il y a encore une... Là il y a des clodos là, je leur tapais dessus. 4 clodos, petit. Approchez, c'est la clodosorée. Ouh, la max. Il y a du monde de mon côté, j'arrive. Bien joué. On reconnaît le skill de ce personnage. Eh ben, fous-toi de ma gueule, mais en attendant... Non, mais... C'est malheureusement, c'était mon ton normal. Ah merde, pardon. Là, un texte. Il y avait... Ouais, mais j'ai essayé. Ah, j'ai essayé. Tu arrives trop tard. Alors, Manu Ferrara dit que tu peux percer tes propres passages secrets en enculant les murs, mais je suis sûr que c'est pas vrai. Ah, là. Bon, man. Pec, pec. Excuse-moi, je poignarde un clodo. Alors, je suis descendu, là, dans le Moyen-Orient, là. Ouais, très bien. Putain, en tout cas, on avait fait une petite partie de test. Ça s'était mieux passé. On a eu plus de matos, moins de monstres, plus d'argent, si tu veux. Mais là, on se bat à l'infini. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Plus il y a d'argent, quoi. J'ai réussi à réunir 600 balles, moi. Et sans quasiment tuer personne. Ça. Faut pas croire. Oh, de la potion et un parchemin, c'est bon ça. Faut les tuer, ces petites pyramides. Ces petites pyramides, elles collectent tout ce qu'il y a dans le donjon en fait. Et plus elles brillent, plus elles ont de stuff. Exactement. Et si elles brillent trop parce qu'elles ont avalé trop de stuff, et bien elles viennent sur nous et elles se suicident. Ça s'appelle. Vous savez, c'est le péché de. Gloutonnerie. D'extrémisme. Ah, d'accord. Ça s'appelle un suicide religieux. Un attentat. Attention, j'avais une vanne, malheureusement, elle passera pas. Elle passera pas. Ok. Ah, j'ai trouvé un cristal qui se reconstruit. Je le fais parce que je suis mythe de tout, moi. Moi, j'ai trouvé ton poulet. Impeccable. Ah, le poulet, oui, fantastique. Il y a un coffre de niveau 2 ici, c'est rigolo. Ah, et un mur avec 3 instructions. Donc, ah, attends, j'arrive. D'abord, je poignarde le cul du gars. Ah, putain, bien joué. Peur de bouger pas, soit. Mais t'es... Bah écoute, j'ai... Je sais pas. Eh bah écoute, prends tout. Parce que moi, je suis sorti dehors, il y a plein d'ennemis. Je suis bien, tu vois, mais je vois absolument pas où t'as pu passer, moi. D'accord, très même bien. Même je t'ai perdu, hein. Même à l'écran, t'apparais pas dans le. Ok. T'es pas dans le planning, si tu veux. Ouais, ok, bah j'ai disparu du planning. Oh, je panique pas. J'ai disparu du Gantz, ça c'est bien. Alors. Bah je vais essayer de te rejoindre, sachant que je ne te vois pas non plus. Oh, je peux aller. Attends, mais il y a trop de triangles là, je suis obligé de faire... Bien sûr, fais les ménages. Mais si on sait pas où on est, c'est pas grave, on se rejoindra à la fin, c'est pas non plus...
la panique. C'est le premier niveau, hein. Je suis pas inquiet. Alors du coup, je vais manger un coup. Car il ne faut point mourir. Alors si on meurt quand même, il faut le savoir, on perd l'argent. Oui, et ça, et on perd le stuff, on perd tout. Mais le stuff, on le refait rapidement, généralement. Sauf les armures, mais bon. Ouais, sauf les armures. Alors c'est par là d'où je venais, donc là je reviens en arrière. Là il y a une petite pyramide, elle a un peu de stuff, je vais taper dessus. Ça vient un peu de pognon. Mais c'est là où on était ensemble, donc c'est moi du coup qui sais pas où tu es. Non mais moi j'ai trouvé 3 coffres, plus le poulet peut-être. Peut-être. Qui était ouvert ? Non. J'ai trouvé le poulet et 2 coffres fermés. Ah bah c'est pas là où j'étais. Donc ce niveau 1, je pense qu'il va falloir que tu répudies. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier si on est toujours ensemble? J'ai l'impression que oui. Hein. Ah non, je vois les 3 murs. Je vois les 3 murs avec 4 écritures là sur le mur. Et il y en a 3 qui ont été lus déjà. Attends, j'arrive. Non mais tu n'es pas là. Il y a 5 écritures. Attends, start. Ah mais non, je suis en emplacement libre, donc en effet, il y a un truc qui a dû sauter. Ah, t'es pas... Comment t'as fait start, t'as fait quoi? Emplacement libre. Ouais, voilà, c'est bon, c'est bien ce que je pensais. T'as pas... Invitation. Ok. Du coup, vais-je perdre... C'est bien ce que je pensais, hein. Supprima votre sauvegarde actuelle. Shit. Tant pis. C'est dommage. C'est dommage. Ah, je te vois là, déjà. Ah c'est bon, t'es apparu magiquement. Et il y a un sabre au sol, donc serre-toi si tu veux. Putain, mais je suis une nana. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah écoute. Ah mais oui, bah, c'est là où j'étais justement. C'est ah d'accord, donc t'as déco. Et donc ils disent, c'est intéressant de vérifier les hiéroglyphes sur les murs et de les taper s'il n'y a rien ni personne à côté, ni pas d'obstruction, ni rien qui s'y affiche. Ni rien qui s'y affiche. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, regarde, si ça, tu vois, il y avait une seule inscription et pas 2 et pas 3. Ouais. Et ben, on pourrait penser que c'est un passage secret parce que il a été généré. En fait, ils sont générés avec rien autour. D'accord. Okay. Donc c'est censé être un mur en ligne droite. C'est jamais les hologrammes, si tu veux. Du coup, ouais, le poulet. Ah ouais, mais putain, j'ai tout perdu. Mon argent. Est-ce que tu veux qu'on recommence? C'est pas grave, hein, on peut. En soi, c'était pas non plus la meilleure run, hein, non plus. Hein, j'ai envie de dire. C'est vrai. Vas-y. Enregistre tour d'écran d'accueil. Allez, pouf. Soit. Pouf. C'est un peu dommage. Non, c'est sans aucun problème. Attention, regarde. Ouais, on est niveau 1, tout va être bien. On s'en bat les couilles. Allez. Il faut, hein. C'est Isaac, hein. C'est tu refais 1000 fois les débuts de run. Ah merde, j'ai le même bug du coup, je crois. Ah, excuse-moi, je relance. Hop. Tac, bah du coup, j'arrête l'enregistrement et je le relance. Ça compte pas. Mec, ton... Quoi? Comment dire? Ton bureau est une honte. Mais je m'en sers comme un dossier. C'est les gens, ils comprennent pas ça. Et puis moi, je m'y repère sur mon bureau. Mais c'est bien. Je vous déteste. Chacun reconnaît son caca, tu sais. Écoute, ma maison est propre, mon bureau est sale. Ça pourrait être l'inverse. Alors attends, initialisation. Faut que tu me réinvites. Ouais, bien sûr. Putain, j'ai plus de martini déjà. Oh. Oui, bien entendu que je veux rejoindre la session. Sinon, je n'aurais pas dit oui. Et cette fois, je veux. Fils de Padin ou Sueur Agathe Darras. Allez, Darras, j'aime bien le bleu comme ça. Ah, tu le prends en bleu? Bah, je vais tester le noir et l'orange du coup, parce qu'il est stylé. Mmh. Allez, vendu. Ouais, fou. Ouais, je prends le rouge, allez. On y va en mode bioman. Oh, bah, attends, si tu prends le rouge, je prends le rouge aussi. Mais non, mais t'étais en bleu. Ah, quoi que double rouge? Allez, double rouge. Ouais. Moi c'est pas le même rouge, c'est un rouge orangé. Ouais bah oui ça change, mais c'est pas non plus. Je suis fils de Padin. Ah moi je suis fils de Amendazo. Donc moi il est un peu plus rose je pense. Et je l'ai pas encore celui-là. Ouais bah écoute. Très bien. Allons-y. Allez on y croit. On rappelle le principe, regardez les vidéos précédentes sur... Enfin la vidéo précédente sur Nécropolis sur la chaîne. Petite attaque, attaque chargée, garde. Il y a de l'endurance, de la vie. Et il faut arriver en bas du donjon, vaincre et tuer tout ce qui existe, tout en sauvant Jeal.
Ouais, exactement. Moi, mon but, c'est récupérer l'argent et le stuff. Moi, mon but, ça va être de trouver un passage secret. Genre, parce qu'apparemment, il y en a, ils existent. C'est juste que j'ai aucune idée de où est-ce qu'ils peuvent se trouver, ni du comment, ni du pourquoi. Et là, j'ai... Sachant qu'on n'en a pas vu du tout jusqu'à maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourtant, on a fait des belles runs, on a bourré loin. Jamais vu un passage secret à la Isaac, hein. Allez, c'était parti. À droite. Allez, on bourre. Marquer le sol à la craie. Alors celui-là est chiant parce qu'il demande des poussières magiques qui coûtent super cher. Obtenez des potions neuves et devenez invisible. Et devenez invisible, wow. Bah, c'est une petite chance. Alors. C'est la bite, hein. Ah putain, ok, très bien. Ouh là là, ah oui d'accord, regarde tout le sol. Et c'est intéressant, recule, tu peux peut-être laisser se piéger dedans. Bon, très bien. On peut aussi leur casser la gueule. C'est un plan, voilà. C'est une stratégie. Parfait. Ah par contre, toute la flotte là, c'est des dalles à pic-pic. Ouais, c'est des dalles piégées, mais c'est bien, c'est un, pour un niveau 0. C'est un peu... Oh le coffre. Ouh. Oh c'est un poulet. Excellent. On fera sans doute un aller-retour ici depuis la fin du niveau. Très bien. Voir si on peut pas exploiter le poulet. Attends, il y a un sandwich triangle de station-service, il est à moi. Sandwich triangle de station-service. Mais tu vas te faire du mal. Ah c'est bon. Tu vas te faire du mal. Bon c'est bon. C'est bon. Moi je suis agile. Oui c'est vrai. Il faut savoir que je l'ai lu hein. Et vraiment ton perso court plus vite, roule plus loin, coûte moins d'endurance pour tout et saute plus loin. Et moi j'ai vraiment plus d'attaque, de défense. Alors attention. Tu vois il y a un nombre de 15 sur la gauche. Ouais. Attends. Classique. Je vais le tank et tu lui mets des gifles. Très bien. En tout cas il a déjà défoncé l'araignée. J'ai plus d'endu pour lui casser ses gifles. Oh là là, ma barre! C'est compliqué, hein. Faut que je gère les deux autres, là. Je suis zéro live! Ok, très bien. Ok, j'ai eu les... Putain. Compliqué. Compliqué. Putain, les hommes poissons, ils sont compliqués, hein. C'est vraiment les plus forts. Hein. Ouh, il est au sol. Ok, on l'a mis. Ok. Attention. Pas mal. Ah, mort tous les deux. Eh ben. Putain, il a fait un enchaînement qu'il ne fait pas d'habitude. Bah si, il a ground pound. On est mort comme des cacas du coup. On est mort comme des cacas. C'est pas grave, c'est la run. Oh, j'ai gagné un jeton. Oh, c'est moins cher que gratuit. Putain, j'ai eu 90% du jeton. Ah, dégoûté. Tu sais, ce fameux 90% de rien. J'avoue. Bah du coup, allez, vendu. Allez. Vendu. On y croit, c'est reparti. Non, mais de toute façon, à partir du moment où il y a de l'eau, c'est de la merde. En un temps où les femmes étaient les femmes, les hommes étaient des hommes, et les créatures rares étaient notre langue, parlaient notre langue, eh bien, vous avez saisi l'idée. Le nombril du monde, moi j'ai eu. J'avoue. Qui fait la lessive. Moi j'ai eu un message transsexiste. Ouais, c'est bien. Impeccable. Les vraies valeurs du niveau 0, quoi. Les vraies valeurs du YouTube game. La violence. Oh toi, ces hommes. Oh merde! Charge la barre! Attends. T'as le temps, vas-y! Oh là 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 là. Voilà, c'est géré. Boum. Il est pas mort. Eh bon. Et on peut même se servir, regarde, cette épée est très bien ça. Hop là. C'est mieux que... Au début c'est mieux que rien. Alors par contre c'est ceux qui ont pas de visage là. Ah ok, ils s'attaquent contre eux. Excellent, par contre l'homme poisson il va venir, attention. Qui se bat contre qui en vrai, je comprends pas. Les squelettes et les clodos se battent ensemble. Ouais, je récupère l'argent, je suis occupé. Ouais. Alors, il y a quelque chose. Attends, amène-les-moi. Putain. Bien joué. Alors là, il y a l'homme poisson, il va venir. La gifle. Ouh. Putain, qu'est-ce qu'ils sont forts dès le début. Foiré, dodge. Ouh. Enfin, on l'a eu.
on le tient. On le tient, on le tient, on le tient. Presque zéro dommage, là il y a un mur. Attends, ouais. J'arriverai en bas avant vous, ça sent raccourci. Ce n'est pas un mur invisible. Faut peut-être marcher contre, sauter contre. Non, pas rien. Tac. Tac. Bah putain. Attention. Préviens avant. La max. La max. Y'a rien à faire avec ça. Donc, ok, très bien. Voilà, très bien. Un nouvel argent. C'est l'heure du poulet, mon gars. Ah, tu miames. Tu miames direct. Ah, attention, y'a deux vides. Je charge. Le triangle, le triangle. Ouh, j'avais prévenu. Ouais, ouais, t'as prévenu. Un clodo. Ça arrive un peu de partout, là. Ça se passe bien, hein. Hein, est-ce qu'il y a quelque chose ici, non? Non. Voilà. Ça se passe bien mieux, en tout cas. L'homme-poisson, on l'a déglongué, enfin... Ouais, ouais, on s'avance. Ça avance, et puis l'argent avance aussi. Ça négocie plus facilement, tout de suite. Hein. Est-ce qu'il recommence une run à zéro? Il garde du stuff pour après. C'est comme Isaac, tu meurs, tu meurs. Voilà. C'est un... Tumeur cérébrale, quoi. Voilà. Sauf si ton partenaire crève, dans ce cas, t'as une chance de le relever. Mais c'est tout. Putain, connard de triangle. Mais l'important, c'est de pas mourir en même temps, si tu veux. Voilà. Donc ça la met synchronicité la pression. Est l'ennemi de la progression. Ça met la pression. Quoi? Hein? Alors attention, on s'en souvient. C'est moi qui vise là pour l'instant, donc tu peux... Vas-y. Alors, c'était clairement toi qui visais là du coup, mais très bien. Ouais, et ben voilà, des boucliers pour tout le monde, servez-vous. Attention. Putain, mais. Tap. Il est mort? Non. Non, il est pas mort. Voilà. Il est mort. Alors, qu'a-t-on? Qu'a-t-on ensuite? Alors, une seconde, j'ai plus d'endurance, donc c'est l'heure de la viande à manger. Ok, donc on a un golem. Un bouclier encore. Attention, il y a beaucoup de... Voilà, ouais. Attention au laser, mets-toi derrière les... Joue derrière les poteaux. Voilà, lui c'est géré. C'est bloqué. Bien joué. C'est réglé. T'as changé ton bouclier, j'espère. Oui, j'ai le bouclier qui va bien. Ok, donc deux portes, une ligne droite et... Attention, il y a le golem. Hein. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu te souviens sur le poulet, on l'avait trouvé dans la run où on est mort ou pas? Oui, hein. Oui, oui, quand on est mort, ouais, malheureusement. Vas-y, ouvre les portes, on dira rien. Alors que c'est toi qui as l'arme électrique exprès pour buter cet enfoiré, si tu veux. Non, c'est le poison. Rappelle-toi. Ah oui. Non, attends, t'es sûr? Non, l'acide. L'acide, oui, l'acide, poison, l'acide, acide. L'acide. Le corrosif, quoi. Ouais, corrosif. Le corrosif. Alors, c'est gênant comme endroit. Ouais, parce que ça. Je vais tenter là. Alors, attention, je vais tenter un truc. Ça passe. Ouais, mais moi, je crois que je suis revenu en arrière. Ouais, ouais, bute le triangle et on se rejoint. Attends, il y a un autre triangle. En fait, le triangle, il est gratuit, faut savoir. C'est gratuit. Savoir une chose, le triangle pop un peu partout. Quand, et tu, seras revenu dans... Quand tu seras revenu dans cette fameuse salle, je vais aller dans la porte de gauche. D'accord. Ok. Ouh, ah, je te berce, celui-là. A savoir qu'on peut y jouer jusqu'à 4 à ce jeu, hein, donc n'hésitez pas. Et là, c'est vide, une pièce vide. Pas de passage secret, rien. Alors, je viens de choper. T'as disparu pour moi. Espérons que t'es pas disparu, parce que je viens de choper une. Ah, je te berce, celui-là. T'apparais toujours, t'apparais toujours. Bon, je sais pas par où t'es passé, ma biche. Ok, bah je te rejoins. Écoute, j'avance. Je viens de choper un objet, ma foi... Fort aimable. Ma foi intéressant. Ouais. H de Berserker. Ouais, non, H de Berserker. Mais tu le dis, oui, t'as fait, on l'a entendu. H de Berserker. Putain, prenez acte. Prenez acte. Ce sera consigné dans la consigne. Très bien. Voilà. Vérifiable. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que malgré son allonge... Pardon, ouf. Pardon, pardon, je testais, t'es vraiment passé au moment où je testais, je te mets du... Oh la vache, mais elle est ultra classe. Ouais, elle est plutôt propre. Oh là 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 là, je suis jaloux. On va tester sur le squelette, là. Ouais, sur Skeleman. Ouh.
Elle tape super vite, hein. Ouais. Ça, c'est une très bonne chose. Comme une épée courte, par contre. Attends, je vais tester ça parce que. Ouh. Oh, double poisson. Ouais, alors mon gars, je suis pas là. Ok, très bien, alors attention. Ah, je suis empoisonné. Tech. Très bien. Je suis bloqué, je suis paralysé, je suis en train de gerber. Moi j'essaie de les forcer à se mettre des gifles entre eux. C'est bon, j'en ai mis un au sol. Ok. Je leur mets des petits coups par derrière. Bien joué, il y en a un qui est mort. Encore. Je l'ai fait tomber. Oh là 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 là, tu régales. Propre, 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 propre. Tu régales. Et tous ces cristaux. T'as bien géré les deux à la fois. Ouais, j'ai paniqué un peu, mais ça s'est bien passé. Attention, on tape le cristal. Non. Non, il y a rien. Ça ne marche que sur les cristaux rouges, tu te souviens? Oui, c'est ça. Impeccable. Ah, triangle. Ouais, mais il était pas bien plein, lui. Il a 10 balles, même pas. Attention au-dessus. Ouais, non, c'est rien. C'est juste pour faire joli. J'aime ce genre de zone, tu vois. Mmh. Moi je préfère alors, le donjon à proprement parler, mais. Ah merde. Ah, qu'est-ce que ça. Je les attaquer. Sauter, mais ouais, le voilà. C'est que je manque tellement d'endurance que ça marche pas. Ouais, 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 c'est la fatigue, c'est la fatigue. Alors attends, là ça saute. Pète les pots et monte. Monte sur la deuxième caisse, pas la première, la deuxième en face de toi. Monte dessus. Ouais. Et tu vois qu'il y a un truc, tu peux l'ouvrir. Voilà. Enfin, pas l'ouvrir, mais tu m'as compris. Très bien. Huile essentielle, cool. Fantastique. Donc, si jamais on a un rhume, je suis là. Si jamais j'ai besoin d'un petit massage. J'ai déjà les bons outils comme tu peux voir. Là-bas il y a un homme machine. On pourrait rentrer dans l'espèce de grand donjon là, mais il y a un homme machine là, donc je. L'argent. Moi je vois l'argent. Putain, par contre les planètes c'est tellement stylé là, les trois planètes en fond. Tu les vois? J'avoue. Ça ressemble énormément à, tu sais, moi c'est les tableaux que j'adore, mais alors je les adore ces tableaux-là. C'est fait par des mecs, genre, ils sont au bord de la route et tu sais, ils peignent avec des bombes aérosols. C'est ça. Tu sais, ils peignent des planètes, des cascades, ils font ça avec une assiette, tu sais, ça l'arrache et à la fin ça rend tellement bien. Quoi. Je sais que c'est chipos, mais j'ai toujours adoré. Attention, j'ai la foudre. Non, c'est bon, on va y aller main à main, voilà. Ok, lui, il est mort. Putain, mais il y a un paquet de triangles là. Il y a des rats aussi. On n'a pas vu beaucoup des rats. Peut-être un raccourci, non? On n'a pas eu beaucoup de rats, hein. Pense à bien les buter, il nous faut de la chair. Ouais, ouais. C'était bien noté. Mais attends, il a dit une certaine phrase. Il y a peut-être un raccourci dans le coin. Hein. Je vais essayer là. Putain, non, ça monte pas. Par contre, regarde, il y a un truc qui part à droite. Ah ah. Pardon. Très masculin, ça. Tu crois qu'on peut monter sur les caisses, là? Non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'était se mettre une caisse. Ça, c'est sûr. Ouais, j'avoue. Alors, tirons-nous. Je suis un peu déçu, là, parce qu'il a parlé. Je m'attendais à quelque chose. À la base, bon, il y a quand même le sandwich triangle. Excellent. Le petit saut des beaux. Le petit saut des beaux, tu sais, en prix de choc à 4,50€. Ouais, c'est bien. En prix de choc à 4,50€. Putain, mais t'es trop con. Hey, premier niveau. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Donc, les amis, nous avons atteint le. Moi, par contre, j'ai complètement pas l'argent pour la première bénédiction. Ah, par contre, moi, je vais me faire bénir, mais. C'est la misère, hein, bon, mon gars. C'est la misère. Mais au moins, on peut choisir un bouquin. Et il faut savoir que dans ce jeu, en utilisant des jetons que tu gagnes à chaque niveau, tu peux acheter des livres magiques qui ont des effets pas forcément connus d'avance. Comme ce livre, par exemple, n'acceptez pas les combattures, reposez-vous une seconde et repartez au combat. En fait, ça veut dire que toutes les actions que tu fais vont te coûter moins d'endurance. Mais on en a trouvé un meilleur. Brochure de Monsieur Moine pour éviter l'épuisement. Et en fait, quand on a ce livre équipé, ce codex qu'ils appellent un précis dans le jeu, parce que c'est mal traduit. Voilà. Attends, c'est bon, je l'ai équipé. Et bah, regardez notre endurance max. Alors, pour l'instant, il se passe regardez rien. Regardez notre endurance max sur 15 minutes. Vous allez comprendre. J'arrive. Ça va faire effet, là, peut-être.
Voilà, c'est bon, je l'ai sélectionné aussi. Donc pour info, mon cher Bob, encore une arme dont la propriété nous échappait jusqu'à maintendant, la hache du Berserker. Je regarde encore en l'endurance. Rapide, c'est bon, ça a augmenté, ouais. c'est bon. En attaque rapide, la hache du Berserker me permet de projeter des gens à terre, que ce soit des gros requins ou des petits. Oui, bah en fait, elle a un gros score de mise au sol, c'est comme les lances ou le truc comme ça. C'est pour ça qu'elle est parfaite, ouais. Cette arme. Honnêtement, t'as trouvé un main. En plus, elle a une attaque rapide, quoi. C'est vraiment trop. Oh là là. Par contre, ces attaques de combo, fais attention. Est-ce que ça va plus vite de réinitialiser en faisant un petit mouvement? Et tu sais, de faire première attaque réinitialiser, première attaque dash cancel, première attaque dash cancel. Ou est-ce que tu peux faire un vrai combo et ça sort assez vite, quoi? Les deux premières, elles attaquent bien. D'accord. Les deux premières sont rapides, la troisième est un peu plus lente. Okay. Par contre, l'ultime est un peu. C'est vraiment mono-cible l'ultime. Ah, mais oui, ça met la max, hein. Non, mais j'ai bon, vu. Attention, recule. Vas-y, ouais, j'ai vu. Hop, bah, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Ça fait le taf. Oh, attends, t'es pas encore tombé? Regarde. Ouais. Il y a une fresque de toi là. C'est stylé. Ah, sympa. Stylé. Il est là le raccourci. Le mec, il met des gifles. Je peux pas me voir en peinture. C'est le mec qui s'énerve. Ah, quel dommage. Cette merde. C'est combien le Super Saiyan là au premier 500. Niveau 500, putain, j'ai 335 balles, je les ai pas. Ouais, mais t'as payé la porte d'entrée, ce sera moi. J'ai payé la porte d'entrée, tu crois? Je crois. Non, oh, putain. C'est moi? Peut-être. Non, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on ait autant d'argent. Donc j'ai peut-être payé. T'as pris buff, toi, du coup? Ouais, je l'ai pris, moi. Important. Parce qu'en fait, j'étais tellement low life, sans bouffe, que ça valait le coup. Ça te régène. Eh ben, allons-y. Oh yeah! Allez. Eh ben, c'est parti. Ah! C'est bon. Ouah! Tu sais, c'est à ce moment-là, tu sais, c'est le règlement de compte entre bro, là. Je sais ce que t'es fait. Ouais, sauf que moi, je connais le bouton de garde, en fait, Théma. J'arrive à gérer la défense dans ce jeu. Fais pas le malin. Moi, je fais le bonhomme. Tu prends le coffre? Est-ce que ça vaut le coup, à ton avis, parce qu'on est au niveau 2, ça coûte un jeton? On gagne un jeton par étage, on est d'accord? Ouais, ça vaut. Ouais, allez, je le paye. Je pense qu'il est mieux que ce soit toi qui le prenne, que tu chopes une armure ou une bonne arme. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? L'épée de feu de Bob, elle s'appelle comme ça. Sérieux? Bob s'est dressé comme un rêve venu de l'ouest, et de son épée de feu, il a réduit les contaminés en cendres. Il déteste le feu autant que je déteste Bob, je m'en remets toujours pas. Je crois que, voilà. Ouais, clairement, ouais. L'épée est faite pour lui, quoi. C'est un coup cri, il est rapide. Ultime. Ouais, il me faudra une autre que l'épée de foudre. Parce que... Ah, l'ulti, tu vois, l'ulti. Ouais, bah c'est... Ouais, c'est très bien. Mais il me faudrait une autre épée que l'épée de foudre, parce que j'aime bien les armes un peu lourdes. Donc si jamais... Je vais en servir pour DPS, mais si jamais je suis face à un requin ou une saloperie comme ça, je veux pouvoir le mettre au sol, si tu veux. Je comprends. Mais je fais l'arme. C'est vrai. Alors... C'est vrai que tu influes. Ah, par contre, attends, est-ce que c'est tous des squelettes de feu? Okay. Si c'est tous des squelettes de feu, on est baisé avec nos armes. Je te préviens. Oui, mais j'ai la seconde arme. Attends, voilà, il y a un petit truc là. Tape dessus. Non, rien du tout. Très bien. Yes. Ça tourne à droite aussi là-bas, on pourrait. Ah oui? Attends, fais voir où ça. Non, mais plus tard. Ouais, voilà. Moi je suis la route même mécaniquement. Ouais, on est en mode Google Maps, quoi, suivez la route principale. En mode Google Drive, en mode Stadia. Putain. Mais ça fait... Tu sais qu'il suffit de les loquer et de se tenir en face et ça se passe bien. Oui, tout à fait. I know it, my friend. On sent le sel quand même. Alors il y a beaucoup de robots là, je vais activer les droïdes. Ah oui, ok, très bien, les squelettes de feu, je leur fais 0 dégâts. Soit. Ouais, il faut une autre arme. C'est chiant. Bon, les hommes robots, j'ai pu en buter un là, donc je suis bien. Ok, c'est géré, j'arrive. Attends. Ah, il a lâché une épée rouge. Et ça a libéré plein de robots, au secours. Ça y est, du monde. Bon, y'en a un qui est mort. Putain. Oh. Pardon. On
Laisse-moi mettre une max. Ça va toucher personne. Fais quelque chose. Ouais, le jeu fait quelque chose. Ah, mais pas ça. Fais autre chose. Est-ce que je peux avoir cette épée au sol? Et de 1. Pas du tout. Et de 1, ouais, bien sûr. Ah non, mais j'essaye, attends. Mais en fait, j'arrive pas à la ramasser. Attends, j'arrive. Permuter, ça veut pas la permuter en fait, elle est un peu buggée. Dégommelé quand je l'ai fait tomber. Hein, parce que ouais, sinon... mais je. Ouais, j'arrive là. Bien joué. Désolé. Un de moins. Faut absolument que ça permute. C'est bon, j'ai. Ah putain, il y a un triangle saut des beaux là. La priorité absolue. Ouais, c'est bon, j'ai eu le dernier ici. J'ai zéro endurance, hein. Je suis peut-être au tiers de mon endurance grand max. Ouais, pareil. Attends, et en plus, il y a un gremlin. Eh merde! J'ai touché le gremlin. Bien vu. Excellent, on l'a eu. Ouh ouais, pareil, je suis tiers. Eh mais putain, alors par contre, j'ai trouvé une nouvelle épée, donc laisse-moi juste regarder. Vas-y, épée longue de Bassilleux, donc c'est une épée de la cristal. Alors, la lame cristalline des armes de Bassilleux tranche facilement la carapace des mages de la coquille. Tu te souviens, c'est l'espèce de sorcier escargot. Ah oui, tout à fait. Bon, mais après, sinon, c'est une épée qui n'est pas de l'élément du feu, donc utile contre les squelettes aussi. Hein. Ah oui, ouais, on va devoir crafter, ouais. Par contre, là, ça va pas se passer. Ah putain, je peux. Oh là, je peux faire une viande. J'ai zéro chair déchirée, mec. Mais attends, moi j'en ai fait 3, donc je pourrais t'enfiler une si tu veux. Après, je peux faire une potion du grand garçon, ça c'est cool. Alors, select. Non, mais c'est cool pour l'instant. Attends, je vais être full life. Pas full life, mais. Tiens, je te file une viande quand même. Oh, t'es un amour. Alors, ça c'est bon. On est propre, écoute. À l'aventure, okay. Compagnon. C'est bon, Dieu merci. Quand même, hein, beaucoup de robots à la con. Hein. Petite inquiétude. Putain, hein. L'argent qui tombe dans le vide, ce cauchemar. Alors, c'est à droite, hein, je crois. Ouais. Oh la vache! Demi-tour! Je crois que je t'ai trouvé ton arbre secondaire. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le bâton du glyphe imprononçable. Ah, c'est une lance. Est-ce que je peux? Et éventuellement, oui, prends l'épée de Bassilleux. Alors, ça, on aura tous les deux une arme. Voilà. C'est une épée courte, hein, là. Non, l'épée. Ouais. Non, c'est une épée longue. Mais ne t'en sers que si tu tombes face à des squelettes. C'est ça, ou à moins que je trouve mieux. Mais soit, allons-y. Bah oui, mais les squelettes de feu, ils voudront pas. Ouais. Les squelettes de feu, c'est un peu. Parce que si t'as le coup cri et la. Mais si t'as le coup cri et la hache, tu pourras faire que du feu et face au squelette, tu serviras à rien en fait. Ouais, non, mais c'est sûr. Oh là, qu'est-ce que c'est que tout ce pognon? Alors. Qu'est-ce que c'était que tout ce pognon? Ça s'est battu là. Ouais. Bien joué, bel bloc. Bien joué. Ah, merci. Je vais m'occuper de l'autre là. Ah mais il se bat contre un rat. Très bien. Putain. Tu l'as eu? Ok, j'ai eu le squelette. Merde, ouais. Encore. Je vais le comboter. Putain, je peux. Même les gros, ouh, je peux les mettre à terre. C'est quand même magique. Et voilà, tout le monde est mort. Alors, je fais le tour de la salle pour voir s'il n'y a pas un coffre caché. Ouais, ou un passage ou quelque chose. Oui. Après, je commence à croire que le passage secret est une légende. Ouais, j'avoue. Je pense qu'on nous bullshit pour nous faire chercher de. Non, quelqu'un est allé voir justement le meilleur conseil possible sur le sujet, c'était en anglais, donc je veux bien y croire. Ah, y a un triangle. Petit saut des beaux. Ouh là là, JJ! Viens voir. Ouais. Ah bah oui. C'est un saut des beaux de qualité, pré-choc. Ouais, épée longue des pyramides. C'est-à-dire, c'est comme l'épée de foudre, mais elle est longue. C'est pas mal. Ça pourrait être meilleur que le bâton, parce que le bâton il renverse, c'est vrai. Ou que mon épée de Bob elle est bien. Mais épée longue, c'est pas mal. Moi j'aime bien les épées de foudre, ça me. Vas-y, fais-toi plaisir. Du coup, attends, t'as quoi comme arme secondaire? T'as l'épée rouge? Ouais. Tant pis, j'abandonne le bâton et voilà. Ouais. Non, parce que l'épée de Bob, elle est quand même nominative, quoi. C'est ça qui est beau. Le bâton est sympa, mais il n'a pas d'éléments. Donc, pour faire les ultras, c'est pas très pratique. C'est un peu dommage. Oh putain, un triangle saut des beaux encore. En plus, un rouge, mon gars.
Les juteux. Ça, c'est les poulets juteux. Tomates, tu vois. Poulet crudité. Oh, la potion, j'ai pris. Ça, c'est bon. T'as pris, putain, t'as pris. Ouais, j'ai pris. T'as été plus rapide. La max. Alors, là, nous sommes face à un squelette. Alors, laisse-moi tester. Oh, bah, oh marche bien, ton épée. Ouais, efficace. Je dois l'avouer. Et là, il y a deux inscriptions sur le mur. Un homme poisson, c'est parti. Il est pour moi, il est pour moi. Ça lui a fait mal ou pas? C'est bien, c'est bien. Pas de temps. Alors, attends, dès qu'il redevient dangereux, je vais le projeter à nouveau. Oh, j'ai eu le temps de bloquer. Bien joué. Et tu l'as tué, bien joué. Bien joué, ça aussi. Par contre, je t'ai vu sauter, voilà, le blocage il était réel. Alors attends, laisse-moi lui mettre des coups à lui, je vais voir si ça marche. Ça marche comment alors? C'est propre? Ça fait les dégâts. Ça fait les dégâts. Ouais. Très bien. C'est honnête. Là, il y a un petit coffre. Là, il y a rien là. Là, ça sent l'arnaque ici. On y a. Merde. Eh bon. Ça s'est bien passé. Est-ce que les gens savent contre quoi les épées de foudre c'est fort? Parce que depuis le temps j'aimerais bien savoir en fait si tu... Bah peut-être contre eux justement non. Parce qu'il est encore temps pour moi de faire demi-tour et d'aller récupérer la masse si tu veux. Attends. Voilà. Joli. On avait deux squelettes de feu. Ce qui est gênant quand même quand on a une hache. Pas de passage secret. Non, yet. Par contre, vu que cette citation est un peu moins conne que la moyenne. Oh là là! Tu fais ça pour remplir les objectifs? Non, en vrai, j'avais pas l'objectif, du coup, je suis un peu deg. Alors, de ce côté-là, nous n'avons rien, mon cher Bob. Ah, si, je peux interagir. Ah, super, ça te régène et tout. Ah, ouais, parce que j'en avais besoin. Pécable. Et notre endurance est toujours haute, grâce au bouquin, qui est vraiment un des bouquins les plus puissants du jeu. Ouais, je dois le reconnaître. Alors, moi, j'aimerais bien qu'elle augmente un peu, là, quand même. Bah, faut que t'arrêtes de faire des ultras, hein, tout le temps. Le feu marchera très bien contre eux, hein. Tu vas les one-shot. Très bien. Non mais les ultras de l'âge du berserker que je trouve vraiment trop cher en fait. En même temps tu les claques l'infini. Oh regarde ça, un petit saut des beaux là, un petit saut rutilien. Vas-y, chope le chat. Ah oh violet mon gars, violet c'est 100 balles. Ouh, t'as eu le prix choc. Ah ouais. Là j'ai eu la ristourne. Ristourne pour viande pourrie mon gars. J'ai eu le droit à un plein. Alors c'est bien ça parce qu'il faut qu'on détruise des cristaux de machin chose. Donc attends, ça va activer des boss à l'infini, ça. Préparons-nous. Il faut s'avancer un peu. Recule. Ah si, c'est bon. Ils arrivent, recule. Non, non, mais est-ce que je leur mets? Attention, ils tirent dessus. Mais oui. Bon bah, voilà. Note à soi-même, le feu marche contre eux, si tu veux. Ouais, ça marche plutôt proprement, même, j'ai envie de te dire. Bob, check Discord pour les réponses. Je peux pas faire alt-tab, les enfants. Donc c'est mort. Donc Sir Closenor, si tu veux me donner les réponses, faut les mettre dans le chat. Et oui. On est bien. Non mais en tout cas là c'est une game qui part plutôt agréablement bien hein. Oui on est pas mal hein. Mieux que la dernière. C'est vrai. Ça s'est fait très vite. Ah un petit saut des beaux. Seulement 8 balles ouais. Ouais, pas tout avoir. On peut pas tout temps avoir le... La max ouais. Alors attends ouais, est-ce que comme c'est un peu un squelette de feu, est-ce que je peux lui faire quelque chose? Bref. Il y a beaucoup de vases, c'est très agréable. Des squelettes à l'étage, des squelettes et des fantômes rouges. Ah parfait, c'est pour moi ça. Joli. Je les esquive. D'abord les fantômes. J'arrive. Attention, il monte. Des beaux. Oh putain, c'est quoi ça?
Putain de merde. Tout va bien. Compliqué. Eh bon. Ok, c'est bon, j'ai géré de mon côté. Moi aussi. Ouh. Alors, il y a encore du monde. Il y a encore du triangle des pyramides, là. Ils sont en train de se battre contre des squelettes, au passage. Oh, le saut des mots. Alors, attends. Je sais pas où tu es, toi, mais il y avait encore du monde. Hein. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui, quand même, s'il te plaît. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé encore? Tu vois? Putain, mais c'est intenable. Qu'est-ce qui nous a séparés, tu crois? Oui, je comprends pas, je comprends pas. J'ai la déco, et moi non plus. Écoute, attends, mettons des gifles. Voilà, je vais finir. On va finir de ce qui traîne là, comme ça au moins. Oh, tout cet argent qui chute. Et puis je vais quitter, sauvegarder. Ouais, c'est un peu dingue. Alors attends, et si c'est moi qui t'invite pour changer? Ouais, ouais, c'est peut-être une meilleure idée. Laisse-moi juste enregistrer et quitter vers l'écran d'accueil, voilà. Ouais. Vas-y. Et là, du coup, si tu m'invites, on va bien voir ce qui se passe. Ok, invitation. Est-ce que tu as reçu une invitation? Joue au jeu, ouais. Très bien. En jeu de session suprême, votre sauvegarde actuelle, continuez. Bon bah oui. Ah bah fuck. Ouais, t'inquiète, je vais t'équiper. Ouais, non, mais j'ai confiance. Où es-tu, mon cher? Attends, j'arrive, okay, ça se connecte, ça se connecte. Alors, Y, select. Et bah, je vais te donner ça et ça. Bon, tant pis, je vais garder les coupons. Je vais vérifier quand même que ça n'est pas du Twitch. Ou pardon, j'ai cliqué pour avancer. Attention! Merde. Et oui, attends, t'as Twitch ouvert à côté? Ouais, bah, je sais pas si... Non, je pense pas. J'ai mais ferme ça, on avait pas eu le problème avant. Ouais, ouais, mais écoute. Alors attends, ah mais t'as récupéré ton stuff? Non, je suis vanille. Je suis alors, attends. Niveau précédent. Non mais t'inquiète, j'ai quand même un bouclier, une épée, j'ai pas... Ça joue. Non, ça mais, joue. Non, mais mon gars, il est hors de question. Je t'ai fait quitter le truc, donc non, tiens, prends ça. Attends. Prends ça. T'as gagné un saut des beaux, là. Et prends ça, voilà. 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 Oh là là, mais ça sauce. Qu'est-ce que c'est ce bouclier? Voilà. Je l'ai trouvé sur un saut des beaux. Oh la vache, il est magnifique. Malheureusement, j'avais 1000 balles, mais j'en ai que 400. Mais bon, avec 100 balles, je pourrais me donner la bénédiction et me remettre là où j'étais. Tu vois que je suis au niveau précédent, donc c'est pas non plus rien. En fait, je pense que quand tu fais sauvegarder quitter, ça te ramène à l'état où t'étais au niveau précédent. Peut-être. Ah là, il y a une porte. Attention, il y a un truc qui se répand là. Bah c'est très bien, c'est très bien. Ça peut bien faire popper les méchants, non? Alors pas avec ton épée, je pense que ce sera inefficace. Ouais, mais tant pis. Ah et non, y a rien. Bon, et j'ai la question bien. Dans l'absolu, t'as coupé le stream? Oui, c'est bon, j'ai coupé. Attends, y'a un... Oh là oh. Qu'est-ce qui se passe? Demi-tour. Très bien, c'est pour moi. Ah oui, c'est vrai, toi tu en fais mal avec ta hache. Oh, le ménage. Parfait. Propre. Donc là, t'as récupéré ton argent. Ah ouais, bah là, on est servi, là. Et hop, là, on a même la guilde, enfin la quête, détruire avec cristal de Bastille. Laisse-moi en péter un, par acte de conscience. Eh bah, super. Attention. Voilà. Et bah, voilà. Ah non, c'est anéantissé de Bastille, donc tu les as fait à ma place, bah voilà. Et bah, voilà. Attention, il y en a un autre, là. Il en reste un last. Oula, oui, oh, lui. Oula. Oh là là. Par contre, les gifles que tu leur mets avec cette hache, wow. Ouais, c'est assez satisfaisant. J'avais chopé aile du corbeau, il me semble, la dernière. Ouais, aile du corbeau avec les ondes de choc qui étaient pas mal du tout. Ah ouais, mais moi, j'avais l'épée diamant qui te donne de l'argent ouais, à chaque fois. T'avais l'épée tier 5. Voilà, c'est ça. L'épée de Pixou, quoi, s'il te plaît. L'épée de Xoupi. Il y a une deuxième porte. Alors, c'est pour toi, ça, je t'en prie. Je ne trouve personne. J'ouvre la deuxième porte en attendant. On va bien voir. Voilà. D'autres cristaux derrière l'autre porte. Attention aux chiens. Mais bon. Et nettoyer. Ok, je vais se nettoyer ce qui reste. Il y a de l'argent dans les cristaux de Basilio, donc faut. Ouais. Alors de l'autre côté, c'est où à gauche, à ta gauche, voilà. Ok, très bien.
Très bien. Comme tu peux le voir, hache, gros cristal. Oh, tu leur fais des dégâts, ils ont pas popé quoi. Voilà. On est bien. Je peux faire le chien, je me fais le chien. Je me fais le chien. Des dégâts. Oui, ça lui fait mal. Hein. Très bien. Super. Wop. Lui, c'est compliqué. Laisse pas sortir, voilà, c'est ça. Impeccable. Ça s'est fait péter, quel dommage. Là, ça, ça ressemblerait à un passage secret, si tu veux. Ah ouais. Et c'est le cas. Ouh. Incroyable. Oh. Alors, là, 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 là. Dommage, il n'y a pas de coffre de niveau 2. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Tu prends celui de droite ou celui de gauche, Bob? Ce que tu veux. C'est ouvert, mon gars. Les potions, la bouffe, l'argent, j'ai tout pris. Oh putain, putain. Non, attends, je vais te lâcher parce que si jamais la connexion meurt, c'est toi qui as toujours le truc. Donc, deux potions de level 3, je vais te les lâcher. Ah, c'est gentil. Je gardais une bouffe. Buvez des potions. Bah, tu sais quoi, je vais en boire une tout de suite. Et attends, bouge pas, j'ai un bouclier pour toi, du coup. Ah, ce sera avec plaisir. Ah, c'est voilà. Mieux que rien, c'est mieux que rien. Certes. Ce sont des beaux. Ouh, on se souvient surtout du goût. Hmm. Mais c'est toi qui les as nommés, hein. Moi je le garde. On se souvient surtout du prix. Alors attention, qu'est-ce qui va apparaître là? Des archers, ils ont des arbalètes. Faut surtout buter celui avec la tête ronde. Voilà, avant qu'il a... Alors par contre, cette hache, c'est un peu la bénédiction de la run, hein, je tiens à le dire. Ouais, surtout pour ce niveau, on va pas se mentir. Hein. Ouais. 800 balles, hein, on est bien. On me dit, t'as oublié la porte. Vous avez oublié une porte. Ah oui, c'est vrai, on a oublié une porte. Bah attends, finissons de cleaner ça, vas-y. Ouais, attends, je vais. Et on va faire le petit demi-tour de la vie. Ouais, ça va popper. Ils sont là, vas-y, tape. Un petit coup dans la nuque. Attention, le suicidaire, bien joué. Un dernier sniper. Voilà, très bien. L'argent à moi. Allez, amuse-toi un peu quand même. Quand même, ouais. Un peu de gameplay. Je suis immatériel. Attends, faut que je teste l'immatérialité. Immatériel. Tu passes à travers les mecs. Le mec, il est immatériel. Ah, il est là. J'ai compris que le capitalisme n'était pas vraiment la voie. C'est ça te rend pas invisible en fait. Ça te rend anti-matérialiste. Ah mais ah oui d'accord, je peux pas les toucher, mais eux ils peuvent me toucher. La baisse absolue. Et ben demi-tour. Amène-les moi. Comme quoi le communisme. Voilà. Oh là. Voilà. Impeccable. Non, et on a un dernier qui a osé se relever par. Et là il y a encore une porte, mais ils ont raison qu'on a oublié une porte sur la route, donc demi-tour. C'est là où je t'avais dit, fais demi-tour et va faire la porte. Très bien, allons-y. Bah, en tout cas, nous avons enfin vu un raccourci. Donc ce sera sur ta... Ouais, un vrai. Ce sera sur ta droite. En sortant. Ah oui. On est d'accord. Ah. Alors. Ah, quand même, ouais. Eh ben écoute, amuse-toi bien. Bonne gifle. Faut que je fasse attention parce qu'ils vont quand même être nombreux. Ouais, c'est surtout ça avec les casques rouges, enfin les casques ronds, voilà, qui font ça. J'ai pas la max d'endurance ou quoi non plus. Un archer. Là, il y a un casque rouge qui est apparu là-bas. Ah merde. Ah. C'est détonneur, attention, mais. Allez. Oh non. Il faut que tu me repop. Quoi, t'es mort? Non, mais en fait, j'ai été bloqué par les trucs par terre. Non, t'es mort, c'est la question que je pose. Oui. Repop. Alors, je suis en train de bloquer par les choses par terre, pareil. Hein. Bon. C'est beau, ça c'est beau. Saute. Attention, je vais être bloqué. Ça compte ou pas? Non. Je me fais avoir, je vais peut-être crever, là. Ça m'évanouit encore. C'est trop bon. Non, je suis mort. Bon. Je suis mort, désolé. Ah, putain. On s'est fait avoir, ouais, on s'est fait avoir. C'est pas grave. Une belle run. Il y a les héros et ceux qui plantent le décor. Merci, mec. Qu'est-ce que. Quoi?
Est-ce qu'il t'insulte le machin? Ouais, je crois. Wasted, 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 ça arrive, écoute. Ce sont des choses qui arrivent. Mordu. Alors, garde noir. J'avais pas la bonne couleur, je pense que c'est ça le problème. Ah putain, il y a Sir Klosenov qui dit si vous avez besoin d'aide, je suis dispo. Eh, à 3, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal, ton choix. Ça mérite on mérite d'essayer, on mérite d'essayer. Ouais. Alors attends, donne-nous l'identifiant Steam. Parce que je peux pas tab, faut que ce soit Gial qui tab en fait. Ouais. Alors. Tout va bien. Est-ce que c'est Meridi? J'imagine que c'est pas Meridi. Non, c'est Sir Klosenov. Alors il dit 10-0-23. Non, mais limite qu'il me rajoute sur Steam, ce sera plus simple. Non, mais il t'a pas. Enfin, attends, c'est bon. Clic. T'as une seconde, c'est peut-être. Si je peux faire apparaître ça, attendez, putain, quel enfer. C'est Gial, tout simplement. Il faut donner les noms. Ok. C'est Gial. Ouais, je viens de le dire. En fait. Ah, mais non, mais je lui ai écrit. Je lui ai écrit. Je lui ai écrit sur. Il devrait se passer des choses. Il dit ok. On ne sait pas. Et moi du coup j'ai glitch, pareil, je peux pas lancer le jeu ou choisir mon perso. Ouais, c'est normal parce que j'ai le table là pour le récupérer. Ah. Ok, j'ai une demande d'ami, Klosenov, ça doit être lui, confirmé. Ça doit être lui, je relance. Et là du coup je vais l'inviter derrière. Tout à fait. Alors je relance l'enregistrement au passage. Tac. Ouais, très bien. Et tac. À chaque run, alors, écoute, hein, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui marche. On est bien. Pourtant, celle-là, il y avait. C'est dommage. Tu vas quand même les supprimer, celles qui sont. Non. À voir. Alors, Bob. Invitation. Et Klosenov. Je te vois pas. Je te vois pas connecté. Là, tu l'as ajouté? Mais bien sûr, je l'ai ajouté. Ah, ça y est, je le vois. Et voilà. Bon, moi je pense que c'est parce que je jouais pas Brunilda. Donc je vais prendre Brunilda, on va voir si ça se passe. Mmh. En effet. C'est bon, tu l'as add. Ouais, ouais. Vous avez pu rejoindre? Moi j'ai pu là. Mais lui il arrive. Alors, on va relancer. Il me demande de relancer, je relance. Start, ami, Klosenov, invitation. Voilà. Impeccable. Bob, on voit pas, j'arrive. Voilà. Alors. En fait, ce qui nous a manqué là dès le début, c'est une bonne armure. Plus qu'une armure, hein, c'est en fait dès le début, genre deuxième niveau, on tombe sur la cathédrale des cristals rouges. Ouais, c'est un peu fumé. C'est un peu violent. Alors, avez-vous rejoint là, parce que là moi je me vois avec toi. Je sais pas si tu me vois. Non, je ne te vois pas. D'accord, bah, Alt F4 pour tout le monde, allez hop. Échec de la connexion du joueur. Alt F4, okay, Alt F4. F4, mon cher Jay, sinon on n'y arrivera plus jamais. Allez. Je vérifie que j'ai pas torrent, mais non, tout va bien. Mmh. Oh, c'était moi qui avais drop, hein, écoute. Hein. Ça bug. Alors. Alors, c'est parti, recommencez. Oui. Et là, je vous invite pendant le chargement. Invitation, ok. Avant d'avoir lancé la partie ici. Voilà, c'est ça. Voilà, bah voilà, 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 on est bien. Allez, hop. Donc, faut prendre des couleurs qui sont visibles. Hein. Prends du ce que tu veux, fluo, Jay. Fluo, putain. Bah du jaune, voilà. Impeccable. En rose, Sir Klosenov, comme tu veux. Et il prend du rose, il est impeccable. Bah, je vais prendre Brunilda du coup, comme ça au moins.
Ok, donc tu vas avoir deux bourrins avec toi, hein, donc ça va mettre la max. C'est bien, c'est bien. Va falloir faire gaffe. Hein. Allons, j'ai l'impression de sortir. Tu sais, j'ai l'impression de sortir de mes cousins de la campagne. Tu vois. J'avoue, me and the boys. ouais, je reste en rouge histoire de rester visible. Quoique je pourrais vraiment. Là, il y a de la bouffe. Allez-y, vas-y, pose. Ouais, jouer, parce quand tu veux. Bob, je te veux. Ah non, mais j'arrive, ah, j'arrive. Je viens de joindre. Je joins. Ouais, très bien. Allez, bah c'est parti. Ok, j'y suis. Impeccable. Impeccable, alors. Allons-y. Oui, je sais qu'il y a les attaques sautées, Sir Closenov. Le souci, c'est que les attaques sautées coûtent de l'endurance et elles sont pas si puissantes que ça, j'ai remarqué. Moi, je préfère zoner en mettant une grosse gifle. Ah, très bien, une épée courte. Ouais. Parfait. Puis c'est dangereux pour les potes. Homme requin. Homme requin dès le début. Vas-y, frappe. Si tu frappes, tu tues ton pote. Ouais, il sauce. Ok, j'ai eu Clodoman. Loin, Giel, loin. Ouais, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Et en plus, l'argent doit être multiplié par 3 du coup, non? Bah oui, du coup, oui. Ça, c'est pas le capitalisme, parce que d'habitude. Plus on est nombreux, moins on est riche. C'est vrai qu'il y a ça. Ah putain. Voilà. Putain, ils mettent là, ils mettent là. Voilà, attention, pardon. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, très bien. J'ai affronté mille et un clodo, moi, je sais pas où vous êtes. Eh ben, de notre côté, c'était aussi le cas. Eh ben, j'arrive. Alors. Très bien, récupère bien les petits cristaux qui brillent sur la route. Très important, Bob. Qu'il dit. Moi, j'entends un sandwich. Hein. Moi, j'ai hâte de payer l'ISF de Sodebo, tu vois. Alors, sur la gauche, qu'est-ce qu'il y a-t-on ? Y'a rien, là. Y'a rien. Alors. Là, il n'y a que dalle. Là, il n'y a que dalle. Alors, là, il y a un petit saut à faire. Wouhou ! Qu'est-ce que tu trouves ? Un raccourci, je dirais. Ouais. Non, merde, c'est pas bien. Moi, je vais continuer sur la route principale. Alors, attends. Ah, il y a un rat, là. Oh, les rats, par contre. Les rats, c'est rare, hein. On n'en a pas vu autant que ça, hein. Ouais. Avant, ça couillait, mais... Bah, ouais, on a pris le raccourci, nous. Parfait, parfait. Bah, nettoyez bien. Je vais ouvrir cette porte et voir de quoi ça s'agit. Et bah, c'est de la merde. Et bah, rien du tout. Fantastique, ouais. Gros bug procédural, tu vois. Grosse maison, ouais. Impeccable. Je crois qu'on a déjà fait ce pattern, hein, pour être franc. Ouais. Bon, là, il y a un clodo. Oh putain, saute des bois. Voilà, très bien. Bien. Alors. Ouais. Très bien. Restez la prudence. On va établir une règle cependant. Closenov, Jial, pareil pour moi. Si vous avez un ennemi en 1v1, à part si vous demandez de l'aide ou si c'est un gros, genre un méga poisson de la mort qui tue tout, on le laisse à la personne qui l'agresse. Comme ça, au moins, ça nous évitera de nous mettre des gifles par inadvertance. Alors, ouais, pourquoi pas, mais c'est dommage parce qu'il y a les boucliers, par exemple. Oui, non, mais pour les boucliers, on avise parce qu'on est intelligent. Cependant, si jamais on a plus de 3 ennemis qui nous courent après et que ça commence à être la merde et qu'ils nous focusent tous, dans ce cas-là, on ne les agresse pas, on se dirige vers un allié qui va faire une ultra, d'accord ? Ouais, on peut faire ça. Comme ça, au moins, on est sûr que... On est sûr que, voilà, on est sûr de pas se mettre... De pas se mettre des gifles les uns les autres. Parce que là, on joue bien depuis le début, mais c'est parce qu'on n'est pas en panique, si tu veux. Un poisson sur la gauche. Tu vois, lui il faudra le focus. Attends, mais il y a surtout un saut des beaux juste à côté là. Ouais, merci. Ils se battent. Ouais, j'ai. Ok, bah là dans ce cas. J'aggro, j'arrive, préparer la max. Putain, attends, non, c'est pas ça la max. Prêt. Voilà.
Ouch, ma vie. La max, vers moi Bob, la max. Bien vu. Attention, ouais. Tu as ouais, perdu masse de vie. C'était une attaque longue. C'était une épée longue. J'ai plus d'envie. Oh, c'est pas grave. Ah si, ça commence à être grave parce que là j'ai pas de quoi le repousser. C'est bon. Ça va le faire. Voilà, je fais exprès de le prendre. Bien joué. Ouh, parfait. Parfait. Putain, si on prenait le temps de le découper là, on pourrait faire du saut des beaux pendant une semaine. Alors par contre, on va faire un signe aussi à la con. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, signe à la con. Si jamais t'as Klosenov, Gérald, qui vient vers nous et qui n'arrête pas de mettre sa garde répétitivement comme ça, c'est qu'il faut lui donner 2 minutes. Il a besoin de prendre une potion, il a besoin de popoter quelque chose, il a besoin de quoi que ce soit. C'est le symbole universel de stop. Voilà. Hmm. Voilà. Très bien. Parce que nous, on peut parler, mais lui, il est dessus. Saut des beaux. Tiens. L'argent. Oh putain. Oh non, c'est la merde. Par contre, t'as vu, regarde moi cette belle épée que j'ai chopée là. Hein. Épée de Cassius. Et t'es level 3. Propre. Oh, elle est magnifique. Non, oh, faut pas pousser. Oh, mais elle est magnifique. Plus elle va avec ta couleur, donc c'est fashion. Mmh. Mmh. C'est très bien. Alors. Tiens, donc c'est une épée pour tuer les hurleurs là. Très bien. Donc c'est pour les clodos. Ah là. Bien joué. Tiens, vas-y. C'est ça. J'ai un parchemin d'identification, c'est bien si je m'en ai plein de potions. Et bon, bah écoutez, c'est moi qui banque, je suis à 745, donc c'est parfait. 745 ? Ouais. Bon, j'ai que 343, je sais pas comment t'as fait. Bonne question. Allez, on va activer les bouquins. Donc, ouais, prends les bénédictions. Ouais, la béni, voilà, parfait. Si j'active un bouquin, ça l'active pour tout le monde ou pas ? Je ne pense pas. Non. Ouais, c'est dommage. Je sais pas comment ça se passe. Les aventuriers qui vous suivent pourront consulter les précis que vous avez débloqués. Non, c'est vrai, il faut que. Voilà. Je prends le précis, le codex de l'endurance. Ah, moi c'est toujours endu, ouais. Non, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a à foutre en haut? Ah, c'est pour fouiller les bibliothèques ça? Ah non, c'est il veut parler au vieux, ok. D'accord. Ouais, c'est bien, je vais voir s'il vend pas des recettes. Je vais aller casser du vase là-haut aussi. Explore. Et puis go quoi. Parchemin d'identification, non. Potion de vigueur, c'est pas plus mal. Pour 40 balles, je veux bien en prendre une. Allez. Oui. Ça te remonte ta vigueur à fond, c'est ça? Oui. Bah non, c'est la vie aussi. Ça fait tout. Oh. Ça fait tout. Ça fait le café. Ah, mais attends. J'ai l'impression que... Ah, il a pris le... T'as pris le parchemin qui... Enfin, pas le parchemin, mais le livre qui te permet de sauter plus haut, c'est ça? Klosenov, il a pris un bouquet qui lui permet de faire des triples sauts absurdes. C'est bon, ça. Le mec, il est en moonwalk, quoi. C'est un Jedi. Bah, pour accéder à certaines zones, ça peut être intéressant. Ça peut être pas plus mal, hein. Ça peut être pas plus mal. Mm. Donc, tu dis quand t'as pété tous les caillasses... Ouais, allez, je descends. Hop. Ouh. On y go Ah non, on l'attend. Where is Klosenov? On l'attend. Go. Non, pas go. Ah putain, merde. Ah, c'est bon. J'ai gardé son Discord ouverte, comme ça, si jamais il est en panique, qu'il nous fait le symbole du bouclier, qu'il peut nous écrire un message, au moins il est là. Ouais, nickel. On le fait jouer avec un handicap, mais il dit il a déjà fini le jeu, donc le handicap n'est que justice. Ah ouais, no spoiler, please. Que justice! Ouh! J'ai claqué le jeton! Vas-y. Oh là 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 là! C'est de la merde. Bah, pour l'instant, non. Enfin, oui, mais. C'est quoi? Bah, l'épée de glace. Ah, ok. C'est pas plus mal. Let's go! Ah, bon, on connaît la strat.
Ok, très bien, je me tire. Je suis entre les deux, c'est pas bon ça. C'est un sandwich. Ah, c'est pas mal l'attaque pour lui. Alors là, il y a du bouclier, hein. Vous ne vous servez rien, les. Vous en sortez pas? Si, 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 si. Ouais, je préfère. On y travaille, on y travaille. Très bien ça. Regarde l'attaque lourde de cette épée. Stylé, hein? Stylé, très stylé. Ça fait une onde de choc ou pas? Non, mais en fait, c'est pas une attaque lourde, c'est une attaque circulaire. Mmh. Elle est rapide pour une attaque lourde. Parce que là, c'est l'attaque lourde. Regarde, attends, je vais tenter là-dessus. Ok. Ils sont où les hurleurs? Oh, ouais, je one shot les hurleurs. Ok, très bien. Tous les barbares, je les. Alors, moi, j'ai une épée de glace contre les fantômes. Ouais, ça marche contre les squelettes. Par contre, j'ai pris mon max là. Ah, moi aussi, mais c'est pas grave. Petite potion, c'est à ça que ça sert. Allez! Hop. Très bien. Là, il y a une porte. Là, il y a deux portes. Oh, il y a une hache là. Ça. Voilà. Très bien. Attends, c'est bon. Ok, j'ai pris la max de close ennemi. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Atomisé de Horde, je pensais que vous aviez abandonné cette tâche. Cool. Là, il y a un message, mais pas de passage secret mystique du cul. Rien du tout. Porte en face, allons-y. Ah, merci. J'étais en train d'ouvrir la porte. Cet homme. Ah, attends, ouais, ça parle, ça. Allô. Ils ont une armure à 800 balles. Armure furtive. Fuck, j'ai 200 balles. Ah, il y a plein d'ennemis là par contre. Ouf, oui. Notamment un homme poisson du mal. Ah, attention, je vais mettre la max aussi derrière. Putain, mais quel débile. Je pensais qu'ils avaient pas la portée. C'est pas vrai. Recule, recule, recule. Ah ouais, je suis en train de reculer là. Alors il est pas à crête lui, donc il est moins dangereux. Hein. C'est ceux qui sont à crête qui sont les plus violents. Hein. Voilà. Très bien. Par contre, ils ont rapporté genre que dalle. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ah merde. Ah, il y a un niveau 3 là. On a beaucoup de choses là. Ouais. Ouf. Ok. Je suis dead. Merci mec. Écoute. Allez, je vais tenter un pare-chaud là parce que ça me saoule. Ils sont ralentis. Ouch. Okay. Bien joué ça. C'est bon, il n'en reste plus qu'un. Très bien. Très bien. Il a tenté de grimper, je sais pas. Impeccable. Eh ben, grosse salle ici, hein. Putain. Mmh. Ouais, on a pris la max, hein. On ouais, va pas se mentir. Hein. J'ai plus beaucoup de vie, hein. Alors. Oh putain. Attention. Ouais. Ouais, c'est un. Ah, m'a pété à la gueule, je suis mort. J'ai, au moment où je l'ai tapé, c'était trop tard. Ouais, 3 kamikazes, c'était un peu violent. Ouais, c'est pour ça que des épées courtes, des fois, c'est, ça te sauve la vie, quoi. J'avoue. Putain,
That's a lot. Merde, pardon. Ouch, ma vie. Midlife. Oui. Midlife net, comme on dit. J'ai voir cette potion. Vous sentez plein d'énergie. C'est bien nul. Ça. C'est pas ce que je voulais. Je dirais par là-bas. On peut tenter par là, ouais. Ah là. Ah. C'est les aventuriers qui ont la dalle. C'est ah. Ça. C'est ça. Lapin. C'est le mec qui s'énerve. Mais c'est là d'où on vient en fait. Ah merde, tant pis, du tour. Cette violence. Cette violence. Et là y'a rien. Non y'a rien. Oh, suicide. Ouais c'est bon. Où est-ce que tu vas Jay? Là je regarde par là. Non mais c'est de là où on vient, enfin on a fait cette salle là. Comme indiqué par les armes qui traînent en fait. Attends, saut des beaux, putain. Oh, le saut des beaux, il avait 250 balles sur lui. J'avoue, c'est frais. Ouf. On a essayé de me tuer. La bourre, j'arrive. Moi je suis en train de l'argent. Là. Alors, où est-on? On s'est arrêté un peu plus tôt dans le couloir pour vider une pièce. Bien. C'est pas vrai? On est là, on est là. Je comprends pas, je l'ai one-shoté d'habitude. Merci. J'ai un peu la mort là. C'est ma deuxième mort un peu. Un peu nul. What the fuck. Un peu what the fuck. Un peu nul? Un peu. Cet homme qui te rappelle toujours à ta propre mortalité. Ah bah c'est ton hubris ça mon cher Jay. Putain. Ouais. Moi je vous suis, je suis passé par les fenêtres. Hein. Oh, tout ce pognon. Ça me monte pas. C'était que 20 balles. C'est triste quand je le dis à haute voix. Ouais. C'est de l'argent. Tiens Bob au travail là. Je te les amène. Eux je les aime pas. Attention sœur. Oh, d'accord, c'est ça mon attaque ultime, vous êtes sérieux? Putain. C'est une blague. Je suis mort. C'est une vanne. Putain. Tout va bien. Ah non, là je suis en dessous là. Tout va bien, on te soutient dans l'adversité. Putain, mais crève. Merci. Allez-y. Pour vous, il a peur de moi a priori. Et bon. Oui. Nous avons un triangle saut des beaux. Bien joué. Oh, le coffre! T'as même pas vu. Tu l'as pas vu, il est à moi. C'est tout vert. Et dedans du fric, une potion que t'as ramassé à une vitesse. J'étais en mode... Tu sais les jeux de sport, tu vois. Les jeux de sport sur Game Boy. Tu t'en rappelles quand tu dois mitrailler le A? Bah j'étais prêt, tu vois. Spécialiste du 100 mètres. Bon. Oh, tu t'es fait Kung Fu. Mais what? Oh là là. Oh, tu t'es fait Kung Fu chier dessus, mon gars. Fatigué. Heureusement que je perds pas d'argent. Kung Fu chiasse.
Kung-chi dessus. Impeccable. C'est comme ça qu'ils ont mis la... ils ont inventé la... la ville à mon nom, c'est Kung-chi-min. En bas il y a un triangle mais il est chargé à bloc en mode suicide, je pense pas qu'il nous pètera. Enfin je pense qu'il va nous péter dessus. Klozanov a quitté la lutte, merde. Ah, toi t'es non, je suis là, réinvite-le. Du coup, pas de raison que j'aille pas me taper. Voilà, impeccable. Ami. Il est plus présent du tout en fait. Merde. Je le vois plus sur Steam. Sinon, j'ai plein de trucs à dire. C'est horrible, c'est des bonnes armures ça. Putain, il a tellement de choses à dire, il peut pas parler. Cette torture. Bon, il nous a carry, Zachary, c'est qui ce mec? C'est con. Oh, le coup cri de Bob! Il est revenu! Ah, ça c'est beau. Comme quoi? Alors, start, select, start, ami, close enough, invitation. Très bien, invité. Ah, attends un peu, Kerpop. Tu penses que c'est par là? Oui, c'est par là, mais attends un peu, Kerpop. Et attends, je n'attends pas, je bois! Voilà, regarde. Et ensuite, il faut lui rendre du matériel, regarde. Klozanov, là, ici, tu as une épée de foudre, si tu veux. Non, mais il a déjà ses armes. Ouais, mais c'est une grosse épée, c'est mieux. Ainsi que le bouclier. Il a déjà du matos, ouais. Ouais, c'est juste qu'il a perdu le matos qu'il avait récupéré sur la route. Ok, je suis rapide. Et bah, vas-y, go fast. Attends, il y a de la thune, là, qui a pas été prise, putain. Je suis obligé de redescendre. Je suis mort. Débilus. Je suis mort, putain. Cosmico. Go to go fast. Okay. Cosmico débilus. En fait, je suis Speedy. Je suis Coyote, non Speedy. C'est bip bip. Et je viens d'avoir un suicidaire, j'ai eu de la chance. Je fais tellement de la merde. Tout va bien. Quoi ça sert d'attaquer, je peux me contenter de mourir. C'est la run fort boyard, hein, j'avoue. Putain, mais attiré par genre 20$ en plus. Hein. Ouais, c'est clair. C'est con, ils les ont. Pour à peine, c'est toi qui paye. Non, j'ai déjà payé les mecs. Ah, mais j'ai 700 balles, non, mais je peux payer. Je peux payer et avoir la bénédiction, allons-y. Non, bah voilà. Putain. Radicus Cupidus là. Geldus débilus, tout va bien. Alors, où est mon argent? Moi, Brunhild, je demande la bénédiction. Ouah, Klozanov, il avait l'argent pour la bénédiction! Il t'a menti! C'est pour ça qu'il a terminé le jeu. Il t'a menti, mais cheaté alors que c'est toi le host. C'est dans le jeu. Il cheat avec mon PC en fait, il m'a hacké. Il est chez toi, il est sous ton bureau. Il bidouille les raccordements. Je me disais bien que la vaisselle faisait un bruit étrange. Alors. Ok, très bien. 716 balles et absolument pas de vie. Mais t'as pas pris la bénédiction là? Non, mais la bénédiction. Là, j'ai trouvé 100 balles d'un coup. Ah ouais, c'est divisé par 3. C'est divisé par 3, t'es sûr? Bah là, je viens de récupérer 30 balles au moment où t'as dit que t'avais récupéré 100 balles. Oh, je pense pas que ce soit le cas, si. Je sais pas. Dans... Bah, il va falloir que tu le sautes. Attends, faut faire le test. Là, je récupère 2, t'es prêt? Vas-y. Ouais, c'est bon. T'as récupéré 2? Oui. D'accord, donc on est d'accord. Attends, il y a un pot, là. Ok. C'est bon, j'ai clean. J'ai clean. Artistique. C'est beau. Bon. Profitons-en pour faire les popos et ce qu'on peut. Tu sais ce qui est beau? Ouais. Saudé beau. Wouah! C'était quoi ce parchemin? Allez, vous êtes enfermé avec moi maintenant. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Ok, on est en furie. Très bien. Intéressant. Intéressant. Tu veux prendre le coffre? Je le prends. Klozanov, tu le prends? Oh bah, allez, je peux claquer le jeton, on s'en fout. Ah bah, il le prend. Une armure? Ouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est une armure cuir tanné. Et c'est une armure pour nous, en fait.
Et voilà, comme ça. Non. Non, je peux pas le mettre. Là. Oh là là. Oh là là, le bonnet. Putain. J'avoue, hein. Vas-y, vas-y, Klaus. Okay. Pour rien au monde, je porte ce truc. Non, mais t'as ouvert le coffre, c'est ton armure. Impeccable. Oh, oh, mais ça rend mieux avec toi. Pourquoi ça rend mieux avec toi? Parce qu'il a choisi. Peut-être qu'il a. Qu'on appelle ça. Il a des goûts en termes de couleurs, peut-être. Non, mais il a un bonnet, mon gars. Je sais pas ce qu'elle fait, cette armure. Je sais pas ce que ça disait. Alors, ce que je vois au fond, je vois des bouboules. Une violette et une jaune. Ça donne des stats. 3, oui, non, j'en doute bien, mais c'était une armure spécifique de quoi, on ne sait pas. Une araignée également. Ouf. Ah, bon, bah, je vais aller. Putain, ça rigole pas, ça. Petit bouclier fou. Ok, très bien. C'est un meilleur bouclier, ça, non? Ouais, il est niveau 3, ce bouclier. Hein. Écu des lamentations de Nargis, hein, je l'ai. Hein. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien. Ok. Wow. Et voilà, les amis. Ah, mais tu t'es fait tourbillonner. Je me fais plus, je me déteste. Wouah, j'ai eu super mal. T'as vu? Je dois l'avouer. Épée du tourneur. Attends, Nargal. Je vais essayer de demander à Bomberman de me ressusciter. Non, j'y suis à Bomberman. C'est bon, ça marche. Ok. Voilà. Super. On y est. Parchemin sans nul doute magique. Une onde de choc assourdissante étourdit vos ennemis. Et merde. Dommage. Ce qu'il nous faudrait, c'est un raccourci vers des dizaines de coffres de niveau 2. Oh putain, on le connaît pas lui. Oh la vache! Derrière toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow, mais il s'arrête jamais en fait. Vous êtes paralysé, au secours! Je suis mort. Très bien. Très bien. Ok, c'est moi le focus. Pendant que c'est le focus, viens me relever. Ouais. C'est Y. Putain. Et là, ça va être complexe. Klaus qui va devoir nous sauver. Ma vision s'obscurcit déjà. Non, non, mais là, je n'aurais pas dû aller te sauver en fait. J'aurais dû. Il y a peut-être un moyen de prendre le risque. Il faut venir nous relever, ma vision s'obscurcit, Klausenor. Mais lui il est en mode, écoute. Je suis sur sa passe, je suis sur sa passe. Ah, et il est mort. Bah là on est passé carrément avec les lunettes de soleil quoi. J'avoue. C'est pas grave. Réessayons une run. Ouais, très bien. Bon, est-ce que je joue la brute aussi? Non, tu peux, hein, garder ton agile, hein, il est bien. Attends, je regarde les styles que j'ai. Fils de coche, putain. Il est bon, fils de coche, comme ça. Fils de pad. Ah, il est trop stylé, comme ça. J'avoue. Mange jaune, eh ben très bien, je prends le rouge, elle est vendue. Elle est vendue. Regarde-moi ça, on dirait la garde de noir. Tu vois. Là, on va mettre des max. Hein. Bon, je prends madame. Ça rend pour me la péter. Hein. C'est pour qu'on donne tout notre argent. Voilà. Bon, on a toutes nos chances. Oh, putain, ce que j'aime pas jouer une route. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a de la baston, ça se bat entre. Ah là, il y a un mec, on peut lui acheter des trucs dès le début. On n'a pas l'argent, mais. Ok, on va les laisser se battre. Ouais, mais il y a rien. Quoi qu'il y a... Ah, le bouquin. Ah, on peut activer le bouquin dès le début. Putain, super. Merci. Excellent. Ouais, là ils se battent. Laissez-les se battre. Tu peux activer un bouquin dès le début là où on est. Hein. J'arrive. Non mais je veux pas te parler.
Voilà. C'est la guerre ici, hein. Et tant mieux. Pardon. Je t'avais pas vu, t'étais derrière. Hein. Ah, c'est vrai que tu prends zéro dégâts en fait. Fais gaffe à ton endu, hein. L'endu elle tombe. Trop rapide. La max. Putain, l'argent. Très bien. Équipé, pas mal, on est plutôt bien. Alors, tirons d'ici. Là, il n'y a pas moyen de monter. Closeinf, il peut peut-être sauter là. Ouais, il peut. Bon, on va le laisser explorer ça. Roulons. Ah ouais, en fait, j'ai un peu l'impression d'être un tracteur quand même.